Guten Abend, meine Damen und Herren. Buonasera, signore e signori. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. C'est le ballet londonien de Kenneth Warwick qui ouvrait cette finale suisse du Grand Prix Eurovision de la chanson. Sur ce plateau du Palladium de Genève, 6 concurrents vont se succéder en direct tout à l'heure. 3 chanteront en italien, 2 en allemand, 1 en français. Ce sera pour nous l'occasion de nous familiariser avec des artistes d'autres régions linguistiques. Ce sera pour eux l'occasion de se présenter devant un autre public sans doute plus large. 6 concurrents donc, qui tous espèrent représenter notre pays le 4 avril prochain à Dublin pour la finale internationale de ce concours Eurovision de la chanson. Concours de chansons et non d'interprètes, notons-le bien au passage. 4 de ces chansons ont été sélectionnées par une cascade de jurys. 4, ce n'était pas assez. 2 commandes ont donc été passées par la télévision suisse à 2 artistes renommés. Mais commandées ou spontanées, ces chansons seront jugées sur un pied d'égalité par 5 jurys. 3 jurys de téléspectateurs, soit un par région linguistique et un jury de la presse, et puis un jury d'experts. Mais de tout cela, si vous le voulez bien, je vous reparlerai dans un moment, car le premier concurrent est là. Le premier concurrent, en fait, les 3 premiers concurrents, car ils sont 3, il y a Peter, il y a Sue et il y a Mark, qui vont interpréter une chanson en italien. Io senza te, moi sans toi. Musique de Peter Reber, paroles de Nella Martinetti et Peter Reber. Io senza te, Peter, Sue et Mark.
Io senza te, c'était Peter, Sue et Mark. Concurrent numéro 2, une concurrente, Rose Brown, Rose Brown, qui elle chante en allemand. Du fehlst mir, tu me manques. Musique, Art Paul et Günther Lose, texte, Günther Lose. Rose Brown. C'était Rose Brown de Felsmeer. Concurrent numéro 3, un roman, Pascal Auberçon, à qui la télévision suisse a demandé une chanson dont Michel Buller a signé le texte. Comme l'eau de la mer, nous écoutons Pascal Auberçon. Geste très doux, mais la peau velours de soleil. C'était dans un lointain mois d'août, avec des vagues en dentelle, sa maison pleine de lumière dormait entre deux oliviers. C'était un pays d'aube claire avec la mer. Côté. Quand on veut retenir le bonheur dans ses mains, il coule entre les doigts comme l'eau de la mer qui laisse un peu de sel. Les larmes, on se goulasse
parler de nous, des beaux secrets, des mots fragiles. Elle déposait sur mon cou des baisers chauds comme son île. Tout parlait de calme et d'espoir, les chemins, la terre brûlait. Et c'est dans la lenteur du soir comme l'eau de la mer. Concurrente numéro 4, elle porte un nom anglais, mais elle chante en italien. Une chanson dont la musique est d'Irene Schwendimann et le texte de Danny Bolla. Io, moi. Elle, c'est Irene Indra. Yeah.
Marilyn Inra chantait Io. Passons au concurrent suivant, numéro 5, le groupe Swiss Union, dont la chanson San Gotardo constitue d'ailleurs la seconde commande passée pour ce soir par la télévision suisse. Les paroles et la musique sont de Peter Reber, le compositeur de Peter Swenmark d'ailleurs. Voici San Gotardo par le groupe Swiss Union. C'était San Gotardo. Concurrent numéro 6 et dernier concurrent, une jeune fille, Mariella Faré, dont la chanson nous raconte une chose merveilleuse. C'est en effet le titre en italien de cette composition de Tommy Fortman. Una cosa meravigliosa, Mariella Faré. Amore,
Una cosa meravigliosa, c'était Mariella Faré, concurrente numéro 6. Voilà, amis téléspectateurs de Suisse alémanique, de Suisse italienne, de Suisse romande, c'est l'une de ces 6 chansons qui va représenter notre pays à la finale du Grand Prix Eurovision de la chanson à Dublin. Laquelle? Eh bien, c'est maintenant au jury d'en décider. Mais je vous propose tout d'abord de nous remémorer et les mélodies de ces chansons et leurs interprètes grâce à un pot pourri que va animer le ballet de Kenneth Warwick, 5 Girls, 5 Boys, que nous retrouvons avec plaisir. Thank you.
Le Gire est le ballet londonien de Kenneth Warwick interprétait ce pot pourri des six mélodies en lice pour ce Grand Prix Eurovision de la chanson. Deux attractions en intermède maintenant, pendant que nos jurys délibèrent, car dès maintenant, en effet, nos jurés sont réunis par téléphone ou directement dans les studios de Berne, de Zurich, de Lugano et de Genève. Le décor qui est le nôtre ce soir imposait la présence d'un ensemble de musique populaire. Nous écouterons un groupe roman, huit musiciens de Genève, le Feuillu.
C'était l'orchestre Le Feuillu de Genève. Vous savez que... On peut les applaudir en effet. Vous savez que si dans les coulisses la tension monte maintenant, c'est que nos 5 jurys sont en train de délibérer. Parmi ces jurés, il y a 150 téléspectateurs privilégiés qui seront appelés à donner leur point de vue et à faire part de leurs préférences. Comment ont-ils été déterminés, ces téléspectateurs-là? Eh bien, par un tirage au sort parmi toutes les cartes postales qui nous ont adressées aux fins de s'inscrire. Eh bien, au terme de cette soirée, il y aura 2 lauréats. Le vainqueur de cette finale suisse pour l'Eurovision, bien sûr, qui ira à Dublin défendre les couleurs de la Suisse. Et puis, il y aura un autre vainqueur, la personne dont la carte postale aura été tirée au sort. La personne qui s'était inscrite pour participer à notre jury des téléspectateurs et dont la carte, avec toutes les autres naturellement, a été conservée dans un panier que l'on va apporter sur scène, car nous allons en effet effectuer ce tirage au sort dont l'enjeu est un voyage pour 2 personnes à Dublin le 4 avril, le soir de la finale, afin de supporter le vainqueur de ce soir. Bonsoir monsieur, vous me surprenez un peu, je comptais demander le concours d'une danseuse. Ah, la voilà, voilà la danseuse. Nice to meet you, what's your name? Rosemary. Rosemary. Will you help me to take the postcard from this basket, please? Yes? Ok. Voilà, c'est peut-être utile. Alors, vous ne regardez pas et vous plongez la main bien profondément. Voilà, voilà, voilà. Merci. Alors, je dépouille devant vous. Merci. Eh bien, cette carte à l'écriture peu lisible est adressée par une personne qui habite avenue Général Guizan 24, 1180 Roll. Et c'est signé Mélan. Auguste, peut-être Auguste, en tout cas 15 août 1909, ça c'est la date de naissance. Donc je pense qu'on peut estimer que monsieur ou madame Mélan, né en 1909 et habitant avenue du Général Guizan 24 à Rolle, a gagné ce tirage au sort et par conséquent ira à Dublin pour accompagner le vainqueur de ce soir. On en félicite en effet et on se réjouit avec elle, de faire ce voyage pour 2 personnes, tout frais payés. Élégance, magie, humour maintenant, avec la symphonie magique en noir et blanc que nous proposent Jean Mad et Chantal. Jean Mad.
C'était Jean-Mad et Chantal, leur colombe et leur chat dans un fascinant numéro Symphonie magique en noir et blanc. Il est 22h21, si je ne m'abuse. Il est donc grand temps de dépouiller enfin ce scrutin. Et sans tarder, j'appelle immédiatement le premier des jurys, dont le porte-parole, c'est celui des téléspectateurs de Suisse Alémanique, se trouve à Zurich. Allô, Zurich. Est-ce que vous nous entendez? Guten Abend, Genf. Hier ist Zürich. Guten Abend. Und hier sind die Resultate der Publikumsjury der Deutschen und der Rätoromanischen Schweiz. Lied Nummer 1, 4 Punkte. Chanson numéro 1, 4 points. Lied Nummer 2, 3 Punkte. Chanson numéro 2, 3 points. Lied Nummer 3, 2 Punkte. Chanson numéro 3, 2 points. Lied Nummer 4, 5 Punkte. Chanson numéro 4, 5 points. Lied Nummer 5, 7 Punkte. Chanson numéro 5, 7 points. Und Lied Nummer 6, 1 Punkt. Et chanson numéro 6, 1 point. Vielen Dank, Thierry. Dankeschön. Deuxième jury, celui des téléspectateurs de Suisse romande, dont le porte-parole se trouve au studio de Genève. Allô? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, le jury des téléspectateurs romands a attribué les points suivants. Chanson numéro 1, 5 points. Chanson numéro 1, 5 points. Chanson numéro 2, 2 points. Chanson numéro 2, 2 points. Chanson numéro 3, 4 points. Chanson numéro 3, 4 points. Chanson numéro 4, 4 points. Chanson numéro 4, 4 points. Chanson numéro 5, 7 points. Chanson numéro 5, 7 points. Chanson numéro 6, 1 point. Chanson numéro 6, 1 point. Merci, Genève. Le troisième jury, c'est naturellement celui du public du Tessin. Pronto, Lugano. Qui Lugano, buonasera. Buonasera. La giuria regionale della Svizzera italiana ha votato così. Canzone numero 1, 7 punti. Chanson numéro 1, 7 points. Canzone numéro 2, 3 punti. Chanson numéro 2, 3 points. Canzone numéro 3, 2 punti. Chanson numéro 3, 2 points. Canzone numéro 4, 5 punti. Chanson numéro 4, 5 points. Canzone numéro 5, 4 punti. Chanson numéro 5, 4 points. E canzone numero 6, 1 punto. E chanson numéro 6, 1 point. En tête, après ces trois premiers votes, eh bien, la chanson numéro 5, interprétée par Swiss Union. Mais naturellement, tout peut encore changer, car c'est maintenant au jury de la presse à Berne de nous faire part de son vote. Allô, Berne? Hier ist Bern, guten Abend. Guten Abend. Die Ergebnisse der Pressejury. Lied Nummer 1, 7 Punkte. Chanson numéro 1, 7 points. Lied Nummer 2, 1 Punkt. Chanson numéro 2, 1 point. Lied Nummer 3, 3 Punkte. Chanson numéro 3, 3 points. Lied Nummer 4, 4 Punkte. Chanson numéro 4, 4 points. Lied Nummer 5, 5 Punkte. Chanson numéro 5, 5 points. Und Lied Nummer 6, 2 Punkte. Et chanson numéro 6, 2 points. Merci au jury de la presse. Restons à Berne pour demander maintenant au jury d'experts de nous communiquer son scrutin. Allô? Oui, ici Berne, bonsoir. Bonsoir. Voici le résultat du jury d'experts. Chanson numéro 1, 7 points. Chanson numéro 1, 7 points. Chanson numéro 2, 4 points.
Chanson numéro 2, 4 points. Chanson numéro 3, 5 points. Chanson numéro 3, 5 points. Chanson numéro 4, 3 points. Chanson numéro 4, 3 points. Chanson numéro 5, 2 points. Chanson numéro 5, 2 points. Et chanson numéro 6, 1 point. Et chanson numéro 6, 1 point. Bien, le résultat est affiché sur notre tableau électronique. Je lis 30 points pour Peter, Sue et Mark, qui sont donc premiers lors de cette finale pour le Grand Prix de l'Eurovision. On applaudit en effet Peter, Sue et Mark, qui pourraient venir sur le plateau. Et je préciserai une chose, c'est que ce sera la quatrième fois que Peter, Sue et Mark vont représenter la Suisse au concours Eurovision de la chanson, puisqu'en effet, ils y sont déjà allés en 1971, en 1976 et en 1979. Peter, Sue et Mark à Dublin, cette fois encore, le 4 avril, pour défendre les couleurs de la Suisse. Je vous rappelle que le concours a été gagné une fois par la Suisse, c'était en 1956, à Lugano d'ailleurs, par une chanson d'Émile Garda et de Géo Voumar, interprétée par Lys Assia. Nous souhaitons la meilleure des chances possibles à Peter, Sue et Mark, que nous applaudissons encore. Dopo la tempesta, cammini.
Peter Suenmark, lauréat de cette sélection suisse pour l'Eurovision. Nous les félicitons en effet de ce succès avec une chanson dont je vous rappelle le titre, Io senza te, moi sans toi, musique de Peter Reber, parole de Nella Martinetti et Peter Reber. Io senza te. Mais je crois qu'il serait injuste d'oublier les autres concurrents, les cinq autres concurrents de cette finale, qui ont défendu très vaillamment d'excellentes chansons également. Et je vous propose donc de les applaudir une dernière fois pour le final. Au revoir et bonne fin de soirée.